Quel, c'est pour toi ça? Oui, c'est tout pour moi et le booster aussi. Et là, il faut, j'ai pas vu vraiment. Et comment il s'appelle? Qui est chargé des solidarités France-Palestine. Roselyne, Thérèse. Bon, Thérèse. Thérèse. Oh, ah, ça va bien. On les a finis, les CBR. Et là, on n'a plus rien aujourd'hui. Ça sera des porte-greffes après pour greffer des... Là-dessus, on peut greffer des amandes, déjà. Et après, on peut aussi mettre des abricots et des pêches. On n'est pas dans les trop grands pots parce qu'on ne va pas tarder à les... Ça fait 25 ans que je suis arrivé dans cette splendide région du Salagou. Je viens de la Sardaigne. Je suis d'origine italienne. Et ben, l'installation, ça n'a pas été facile. J'ai rencontré Martine parce que j'étais un vendangeur occasionnel pendant 2 ou 3 ans ici. Donc on s'est connus et je me suis fait avoir par la flamme de l'amour. Donc voilà, mes projets en Sardaigne. se sont arrêtés. On a commencé une vie plutôt retirée dans les coins de la vallée du Salagou à la Lude. Donc on s'est mis avec Martine à la recherche d'un petit bout de terrain. Les gens ils disaient « Oh, ben, c'est des babacools, ils sont de la campagne, là, qu'est-ce que tu veux ?» Donc c'est l'image des gens qui sont un peu en retrait de la société et qui, bien sûr, ils vivent en marge, quoi. Mais... quand a été question d'interpeller des propriétaires qui pour avoir un bout de terrain, ça a été difficile. Pour nous, avoir un bout de terrain, c'était aussi un principe de liberté, quoi. Personne pensait qu'ici pourrait y avoir une activité maraîchère en termes professionnels. C'est-à-dire, bon, c'est des terres pauvres, c'est des terres assez ingrate, des cailloux par-ci, de l'argile trop forte par-là, du sable de ruf. Donc personne ne pensait que dans cette terre-là pourrait à la limite pousser un radis. On a mis pas mal des matières organiques sur les terres, on les a vachement bien travaillées. Nos premiers 10 ans étaient l'investissement sur la terre. La terre était un désert, était aride, était vraiment, il n'y avait aucune trace de matière organique et nous avons apporté énormément de matière organique, ce qui a fallu limiter bien sûr nos revenus parce que l'investissement déjà entre les matériels, l'équipement et l'achat des matières organiques, c'était important. Mais bon, on était courageux et c'était notre passion, quoi. Au départ, quand on était sur les marchés, nous, on venait de la marginalité, bien sûr. Donc, on était plutôt sur des produits assez originaux, quoi. Des pâtissons, des tomates anciennes, des topinambours, des rutabagas. Les gens, quand ils venaient à notre stand, il y en avait des paysans qui avaient vécu la guerre. Ils faisaient un cercle quand ils voyaient les rutabagas et les topinambours. Et je dis, plutôt qu'ils s'approchaient, ils s'éloignaient. Donc les gens du coin nous ont vus un peu comme ça. Mais petit à petit, il y a eu aussi des gens curieux qui se sont approchés. Ah, les topinambours, ah, le rutabagas, ah, les pâtissons. Ah, la tomate, mais c'est la tomate rouge. Mais non. Et on est rentré comme ça avec notre originalité dans les marchés. Aujourd'hui, je veux dire, on produit tout ce qui est plein champ des saisons, des radis, bien sûr, pratiquement une bonne partie de la saison. On s'est spécialisé dans les épices comme la coriandre, le persil, un peu de ciboulette, un peu de l'oignon. L'oignon de Lézignan, bien sûr. Et petit à petit, on s'est mis dans l'idée aussi, c'est venu avec le temps, de faire nos propres semences.
Une vieille dame du village de Salas qui nous a donné des graines d'une variété de salades qui étaient presque oubliées, qu'on a là avec les graines. Voilà, c'était notre dada, c'est ce qui nous a motivés aussi professionnellement à développer cet aspect-là. D'autant plus que politiquement, il y avait une législation qui était de plus en plus contraignante au niveau de la reproduction de végétales. Les lobbies semencières ont fait un grand travail pendant, à partir des années 90, bien avant bien sûr, mais particulièrement pour s'accaparer de ce qui est les biens du vivant, la graine et tout ça. Et on s'est retrouvé devant une alternative même politique des résistances. Et c'est pour ça qu'on a commencé, bon, tout est parti de cette salade, mais on a créé un collectif, d'autres gens se sont rejoints à nous, on était aussi des faucheurs, on s'opposait à la culture des OGM, qui était un petit peu l'aboutissement des dernières années 80, de la tentative de main prise des lobbies sémencières sur les graines et sur les vivants. Il y avait un danger pour un patrimoine végétal qui était présent dans notre territoire et qui allait disparaître à cause que les gens avaient pris maintenant, et dans les milieux professionnels et dans les milieux amateurs comme les jardiniers, d'aller acheter son sachet de graines, de semer ou carrément maintenant d'acheter les plantes directement après et de les planter dans les jardins. Donc ces patrimoines qui étaient jalousement gardés par des personnes âgées quelquefois ou des passionnés, et nous avons pensé que c'était bien d'aller à la découverte. Et avec les collectifs de semeurs de l'Eau-des-Voies-Larzac qui s'est créé c'était 2008 par là, ben nous avons commencé à organiser aussi des bourses d'échange, des graines, des plantes. Dans ces bourses et dans nos sorties, on a pu découvrir par-ci, par-là, ben une autre salade, une salade à canard, un autre oignon, l'oignon de Tarassac. Et là, tu filmes quelqu'un en spécial. Ouais. Petit marron, je mets quand? Ah, maintenant. On commence quand même à ramer un petit peu au niveau de la résistance au boulot. Donc on s'est dit, ben, peut-être c'est l'âge aussi. Nous avons un petit peu soulevé les yeux vers le ciel et nous avons découvert que la nature nous offrait aussi des arbres qui étaient présents dans la garrigue tout autour de chez nous. Là, en plein milieu de la ruf, ben, des poiriers qui fleurissaient, qui donnent des petites poires que personne n'apprécie parce qu'elles ne sont pas bonnes, bien sûr, sauf les oiseaux. Et donc, ben, nous avons commencé avec quelquefois un peu de peine à couper même des gros arbres et à les greffer. La graine est à la base, au fond, de l'être vivant. Et si on arrive à en avoir le monopole, on a gagné et on a dans les mains les pouvoirs absolus de gérer toute la population au niveau de la planète. J'ai envie de dire, les gens, vous mangez tous les jours, vous avez toujours quelque chose dans votre assiette, pensez à ce qui produit. Et si par hasard, même dans votre petit balcon, au 50 ou 60e étage d'une gratte-ciel en plein New York ou en plein je ne sais pas quoi, ben mettez un pot, mettez une graine, faites pousser de la graine et cueillez-les et surtout faites-la circuler, changez, gardez cet précieux élément vital d'une façon qui reste la propriété de tout et chacun et qui soit partagé avec tout le monde et pas au bénéfice seulement de 5, 6 multinationales qui sont puissantes et qui veulent juste faire des profits. Ah, 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 ah.
night.